Tout à l'heure, j'ai découvert l'application Les 101 choses à faire avant de mourir. Oui, ça pète toujours un petit peu l'ambiance, mais c'est pas... Alors, Les 101 choses à faire avant de mourir, l'iPhone te propose de sauver la vie de quelqu'un. Sympa. Enfin, on n'a pas tous la chance de bosser chez France Télécom, aussi. Ah, nager avec les requins. Pas con, c'est vrai. Ouais. Ah, bon, bah, par contre, ça doit être la 101e chose que tu fais avant de mourir. Après, c'est plus compliqué. Mais... Allez, une petite dernière pour terminer. Dans les 101 choses à faire avant de mourir, l'iPhone te propose d'adopter un orphelin. Pas con, non mais c'est vrai. Ça. Quitte à adopter un gosse, autant qu'il ait pu ses parents. C'est quand même moins d'emmerde. Non, c'est vrai, y a, juste pour voir, lever la main ceux qui ont un smartphone, un iPhone, etc., un Samsung. Ah oui, c'est pas mal, grosse majorité, donc tout le monde voit ce que c'est un téléphone portable. Parce que s'il y en a qui rigolent pas depuis le début, non, c'est génial. Non, mais l'iPhone, c'est bien. En revanche, c'est cher. On peut se le dire, c'est cher. Mais j'avais trouvé une petite boutique la semaine dernière à Paris. Le mec, il me le faisait à 50 euros. Il dit 50 euros, le dernier iPhone 5, vous êtes sûr ? Oui, 50 euros par mois sur 246 mois, mais il n'y a pas de. D'accord. Ah non. Alors du coup, je l'ai payé plein pot et j'ai pris l'assurance. Je me suis dit, je me connais. T'es un mec maladroit, tu viens de mettre l'équivalent d'un loyer dans un téléphone portable, prends l'assurance, ça n'a pas loupé, ça n'a pas loupé. La semaine d'après, je l'ai fait tomber sur une pierre plate. Et non, ça a son importance parce que l'assurance ne remboursait que les pierres rondes. Donc vous voyez que c'est bien lire en bas, c'est très subtil les assurances. Alors du coup, ben, j'en ai racheté un nouveau. J'ai pas pris l'assurance, je me suis dit, cette fois-ci, je me fais paniquer. Bon, ben, je l'ai refait tomber le lendemain, mais sur une pierre ronde. C'est con, la vie, c'est con. Ah non, mais dans l'iPhone, alors par contre, ce coin, un portable tactile le savent, des fois, t'as le tactile qui bug. Ce qui fait que quand on t'appelle, tu peux pas décrocher. Comme ça, tu sais, d'un coup, j'ai un copain qui a réussi à faire du feu, en faisant ce geste. Fort, quand même. Bien. Non, enfin, non, tu peux pas décrocher que sur les appels importants, attention. Hein. Non, c'est vrai, tu cherches du boulot, tu cherches un appart, un patron, un proprio qui t'appelle, là, tu peux pas décrocher. En revanche, quand c'est ta mère ou la banque, là, ça décroche toujours. Bizarrement, c'est toujours un petit peu... Alors, les plus foufous d'entre vous, et je vous vois tous ce soir, hein, vont me dire, ouais, ok, tu peux pas décrocher, t'as le tactile qui bug, mais en revanche, dans l'iPhone, t'as l'application Boussole. C'est bien, en 2013, c'est une bonne idée, c'est bien. C'est quoi, il y a un mec de chez Apple qui allait faire Pékin Express? Comment ça se passe? Non, c'est improbable, c'est souvent dans la rue aujourd'hui. Alors, attends, merde, 2 degrés à droite. Ah non, merde, putain, non. Comment, monsieur? La direction de la Mecque? Ah, attendez, bougez pas. Par là. C'est gentil. Nikoumouk à vous aussi, c'est gentil. Voilà. Ah là là. Non, pas de vanne sur les Arabes et tout. Non, pas de... C'est vrai, en plus, on dit les Américains, ils aiment pas les Arabes, parce que les créateurs de l'iPhone, c'est les Américains. C'est faux, c'est des conneries. Les Américains qui aiment pas les Arabes, c'est des conneries, c'est vrai. Le jeu le plus téléchargé sur l'iPhone, vous savez ce que c'est ou pas? C'est Angry Birds. Angry Birds, où le principe du jeu, c'est de balancer des oiseaux, péter la gueule à des cochons. Si ça, c'est pas un jeu musulman, c'est qu'a priori, moi, je m'y connais pas. Hein? Non. Ah, non. Mais plus de vannes sur les rebeux, trop de problèmes. Et non plus, je disais dans la presse il y a pas longtemps là, qu'il allait y avoir la première mosquée homosexuelle qui allait ouvrir. Curieux de voir le résultat. Pourtant, je suis con, ça existe déjà, ça s'appelle le hammam. Et...